よう、赤崎。さらわれた妹を探すため、危険な町、サウスタウンに乗り込む。ロバート・ガルシア、ようの親友、そしてダイス、ようと共にサウスタウン。サウスタウンで彼らを待ち受けるものだ。Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'un des écrans ultimes pour jouer aux consoles en 240p ou en 480i. Il s'agit du PVM20L4. C'est un CRT professionnel destiné aux studios, aux hôpitaux et aux centres de surveillance qui avaient besoin de moniteurs de contrôle fiables avec une image parfaite. Ces écrans étaient vendus très cher. Ce sont des moniteurs rectangulaires s'empilant les uns sur les autres. Ils proposent tout un tas de connectiques et tout un tas d'options pour les brancher les uns aux autres avec un système de retour. C'est un moniteur Sony. Inutile de vous dire que la qualité de fabrication de cet écran envoie en orbite n'importe quelle télévision cathodique que l'on trouvait dans le commerce. Ici, nous avons affaire à du super costaud avec définition parfaite. Premier point important, ces moniteurs utilisent la connectique BNC. C'est un système à encoche qui permet d'avoir un signal sans perte. Vous aurez une image pure en 240p. Vous pouvez aussi y brancher du RCA. Le problème, c'est qu'il va falloir faire quelques réglages pour avoir une image de rêve. Je ne vais pas rentrer dans les détails, car comme vous le savez, je n'y connais rien. Ici, mon écran a été réglé pour jouer à la Neo Geo. Pour régler les problèmes de synchronisation, vous pouvez acheter un 21 ping to BNC de chez RetroRGB. Ce câble convertit le signal RGB directement au BNC. Par contre, il faut de vrais câbles RGB et pas des câbles posant des problèmes de synchronisation. Sur le PVM, il y a une touche qui permet une synchronisation automatique de l'écran. Le 20L4 sort du son en mono. Si vous voulez avoir un bon rendu sonore, je vous conseille de rediriger le son sur des enceintes. Par contre, attention à ne pas approcher l'écran des enceintes si elles ne sont pas blindées. Le PVM propose quand même une option pour démagnétiser l'écran en cas d'accident de ce genre. Comme je vous le disais, Sony a tout prévu. Il existe des modèles supérieurs à celui-ci capables de prendre du 480p et du 720p. Ils ont l'appellation multiformat. Inutile de vous dire que c'est ultra rare et ultra cher. Alors que dire en conclusion? Je pense que c'est l'un, voire le meilleur écran pour jouer à des consoles sortant du 240p. L'image est juste hallucinante. Le second point fort, c'est qu'il est plus résistant que les cathodiques classiques. Cerise sur le gâteau, il propose un retour qui permet de brancher un autre écran dessus pour avoir l'image en double. Pour du versus, c'est juste le rêve. Hélas, tout n'est pas rose. Le son n'est pas terrible en direct, et si vous n'avez pas de chance, vous allez devoir débourser au moins 450€ pour en avoir un. Vous l'aurez compris, ce matériel est à réserver aux acharnés du patch cherchant à optimiser leur setup. Je suis super content d'avoir cet écran et j'ai hâte de faire mon setup définitif. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. We'll be right back.